2015, le parti Égalité Justice a été fondé. Encore une fois, je répète, c'est sur les terres d'Alsace que ce parti a été fondé, et c'est pour cela que ça me tient à cœur de pouvoir faire cette conférence aujourd'hui ici, dans un lieu mythique, à savoir un quartier populaire dont nous défendons les valeurs. Concernant les élections, les premières élections dont le parti Égalité Justice a commencé à montrer son élan politique, c'est lors des élections cantonales de mars 2015 où nous avons présenté 10 listes dans les cantons et nous avons pu nous apercevoir qu'il y avait réellement, encore une fois, une attente de la part de la population pour qu'il y ait ce genre de parti politique qui puisse émerger. Suite à cela, nous avons fait les élections partielles législatives avec M. Moulat Özgat, qui je remercie, qui est présent aujourd'hui dans la salle, qui a eu le courage de relever le défi, étant donné qu'on était à 6 semaines avant les élections. C'est tellement difficile de pouvoir préparer une campagne, mais c'était une campagne qui a été très bien entreprise. Et encore une fois, nous avons pu démontrer qu'on était capable de mener une campagne de bout en bout, du début jusqu'à la fin, excusez-moi. Et ça a donné lieu à, encore une fois, une possibilité d'avoir la reconnaissance des citoyens. Qu'est-ce que le Parti Égalité et Justice? Le Parti Égalité et Justice, ce sont la défense des valeurs que toute personne doit se défendre de pouvoir, à chaque instant de sa vie, pouvoir faire avancer, que ce soit les inégalités, lutter contre les inégalités et contre les injustices. Nous nous disons qu'aujourd'hui, nous faisons front à véritablement un boulevard concernant les inégalités, les injustices qui se passent, notamment dans les quartiers populaires et concernant les diversités culturelles et culturelles. C'est pour cela que nous défendons à cette lutte pour pouvoir recréer un équilibre entre les divergences qu'il y a au sein de la société. Nous estimons et nous pensons que c'est dû aux politiques qui ont été menées depuis pas mal de temps, ces politiques qui ont creusé un fossé, ces politiques qui, aujourd'hui, ne se sentent pas responsables de la division, de l'éclatement de la société. Et on dit aujourd'hui qu'il est temps de relever le défi et qu'il faut arrêter de chercher le clivage droite-gauche. Nous sommes, nous, avant tout pour l'humain. Nous défendons l'humain, on se situe sur les chiffres politiques en tant qu'humain et défend l'intérêt général. Nous disons que si on fait de la politique pour l'intérêt personnel, ça mène à ce que ça mène aujourd'hui un éclatement de l'échec politique où nous avons 4 partis ou bien 4 mouvements politiques qui essayent de se faire un chemin et qui représentent au maximum 23-24% de la société. Donc on se dit qu'aujourd'hui il est temps de pouvoir avoir une alternative politique et cette alternative politique elle est donnée au sein du Parti Égalité Justice. D'autre part, nous ne défendons pas le vivre ensemble mais on défend le bon vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble, c'est une coquille vide et qui ne sert à rien juste pour essayer de pouvoir faire croire que le débat va avancer, mais le débat n'avance pas si on n'arrive pas à bien vivre ensemble. C'est pour ça qu'il est temps qu'aujourd'hui, on puisse amener à bien vivre ensemble avant de penser à vivre ensemble. Ce sont notamment les valeurs que le Parti Égalité et Justice défend aujourd'hui et qui vont tenir à défendre. Nous avons eu la possibilité, l'occasion de pouvoir investir officiellement les candidats de Lons-le-Saunier, les candidats de Dijon et les candidats d'Auxerre, à savoir le département de Lyon, le département de Côte d'Or et le département du Jura. Encore une fois, on a vu qu'il y avait une réelle attente et cette attente, elle est vraiment dans tous les hexagones et ceci mérite que notre parti soit davantage et davantage représenté au sein de la société actuelle. À mes côtés, vous avez les 6 candidats qui devaient être présents, il y en a 2 qui aujourd'hui viendront un peu en retard. Vous avez à ma droite M. Tejan Jan qui sera dans la 9e circonscription du Bas-Rhin. Ce dernier défendra les couleurs du Tej à Aguenot et Bichula notamment. À ma droite encore, vous avez Feridoun Ourousseux qui défendra les couleurs dans la 5e circonscription, Célesta Bar-Erstein. À ma gauche, vous avez Hajem Saber qui défendra les couleurs du PEJ dans la 1ère circonscription, notamment les quartiers de Haute-Pierre, les quartiers de l'Elzo, Konigshofen et Montagne Verte. Et tout à ma gauche, vous avez Sali Charla qui défendra les couleurs du PEJ dans la 3ème circonscription, notamment Cronenbourg, Chitikal, Bichan, Eunheim. Aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir présenter l'ensemble des candidats et surtout montrer que notre parti politique, ce n'est pas du tout une vision qui a été, du moins, une partie de la population qui a essayé de créer un mouvement qui serait seulement temporaire, mais nous sommes là pour créer un mouvement qui est dans la durée. Ceci montre encore une fois, prouve encore une fois, à travers la qualité de nos candidats, que nous sommes ici pour durer et être présents à l'avenir. D'ailleurs, notre slogan le dit si bien, ensemble pour l'avenir, nous sommes unis aujourd'hui pour construire l'avenir tous ensemble et pouvoir changer les choses.
Il faut arrêter de croire à l'adversité et surtout de croire que la société va mal du fait de notre présence ou bien de la présence d'une certaine partie de la communauté. Nous, nous pensons que ce sont les politiciens actuellement qui n'arrivent pas à répondre aux besoins de la société et ce sont eux qui créent ce fossé et la division au sein de la société. Et c'est pour cela qu'il est temps que nous prenions les choses en main et que nous disons que les Français d'en bas que nous sommes prêts à relever le défi et on pense pouvoir le faire de la meilleure des manières. D'autre part, avant de terminer le propos concernant les élections présidentielles, nous appelons à nouveau à voter blanc, comme ceci fut lors du premier tour. Je remercie tous les électeurs qui ont voté blanc parce qu'il est temps, une fois pour toutes, d'arrêter de voter pour le meilleur d'entre eux parce qu'ils nous culpabilisent à travers leurs propos en pensant que c'est de notre faute, encore une fois, que la société va mal. Alors que si la société va mal, depuis 2002, c'est surtout, on a créé un fossé entre la France d'en bas et la France d'en haut, et certains voulant protéger leurs privilèges ne souhaitent en aucun cas renier à ce qu'ils ont actuellement. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui qu'il faut voter non pas un vote contestataire au second tour, mais un vote sanction. Que le Front National soit présent, ou bien du moins gagne les élections présidentielles, ceci ne changera rien, étant donné que depuis 2002, les politiques qui sont mises en place, que ce soit avec Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Valls, je ne pense pas qu'ils sont en dehors du programme du Front National et qu'ils sont plutôt proches de ce parti-là. Donc nous disons qu'il faut que nous puissions ramener l'alternative. Il est vrai qu'il faut qu'on montre à travers le vote blanc qu'il y a un vote contestataire et sanctionnaire concernant les politiques actuelles que personne ne représente et qui ont pu être, si je peux m'exprimer ainsi, les moutons qui suivent un mouvement, à savoir suivre à chaque fois le meilleur ou bien le moins pire d'entre eux pour essayer de combler le vide politique qu'ils sont en train de créer, surtout le fossé politique créé entre les classes populaires, la diversité culturelle et cultuelle. Enfin, ce que je dirais malheureusement, c'est vrai qu'il y a une présence assez importante de la presse aujourd'hui, mais ce n'est pas la presse que nous y attendons. C'est vrai que j'ai une reconnaissance particulière pour eux également, ils ont fait le déplacement. On constate que dans la presse, il y a toujours des propos qui sont déformés sans essayer de chercher l'objectivité et surtout la légitimité du parti Égalité et Justice, ce qui crée notamment un certain fossé entre nous et la presse locale. Encore une fois, j'aurais bien voulu que ces personnes puissent être présentes, mais avant tout, nous demandons l'objectivité. Nous sommes ici pour répondre aux questions. Nous ne sommes pas là pour essayer, nous ne sommes pas là pour un double langage, mais au contraire, nous sommes là pour essayer de faire avancer le débat de la société. Nous pensons que le multiculturalisme en France est une chance et qu'il faut, à travers cette chance, pouvoir tous ensemble essayer de construire une France meilleure pour qu'on puisse bien vivre ensemble. Je vous remercie. Je vais donner la parole dans un premier temps à Félix Nounoussoy, après on donnera la parole à Tejal Gyan et par Marie, on comptera par la droite, par la gauche. Je voudrais tout d'abord remercier M. Jean Kilpak, président du Parti Égalité et Justice, pour son très beau discours et pour son objectivité. J'aimerais aussi remercier les différents présidents d'associations qui sont là parmi nous ce soir. Je ne vais pas citer les noms pour éviter d'en oublier. J'aimerais aussi remercier les médias qui sont présents parmi nous, qui nous ont accompagnés, qui vont nous accompagner durant cette période d'élection. J'aimerais aussi remercier nos concitoyens qui sont là parmi nous ce soir, qui ont fait le déplacement pour cette conférence de presse et pour notre présentation. Bonsoir, je me présente. Félix Nounoussoy, je suis entrepreneur dans le bâtiment, père de deux enfants. Je serai candidat dans la 5e circonscription du Bas-Rhin, qui comprennent les villes de Markolsheim, Sélestat, Lillé, Erstein, Benfeld. Pourquoi le Parti Égalité et Justice? Pour défendre le vivre ensemble qui est de plus en plus menacé par la montée de l'extrémisme. Pourquoi le Parti Égalité et Justice? Je serai le candidat du Rassemblement. Nous avons besoin en France d'un climat serein pour préparer l'avenir de nos enfants conformément aux valeurs de la République qui sont, je le rappelle, liberté, égalité, fraternité. Ce sont ces valeurs qui ont fait la grandeur de notre pays, la France. Je serai le représentant de tous les Français, peu importe le milieu social ou les croyances. Je serai le candidat de l'espoir, de la paix et du vivre ensemble. Merci. Bonsoir, je voulais remercier tous les invités et je vais me présenter. Je m'appelle Tejal Gyan, j'ai 42 ans, j'habite à Haguenau,
Je suis marié et j'ai un garçon. Et je suis chauffeur de camion. Et je serai le candidat de la 9e circonscription du Bas-Rhin, celle qui comprend Haguenau, Bichevillers, Brumath et les villages environnants. Pourquoi le parti Égalité et Justice? Je suis très attaché aux valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité. Malheureusement, ces principes sont en danger. Ces dernières années, les différentes crises économiques et les attentats ont fait qu'il y ait une atmosphère de rejet, de discrimination et de racisme d'une partie de la société. Les citoyens ne font plus confiance aux partis ordinaires pour trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, soit ils boudent la politique, soit ils votent pour les extrêmes. Le PEJ, au contraire, propose de rassembler tous les citoyens, quel que soit leur statut social ou origine, afin de plus égalitaire. Je suis conscient que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous devons tous nous unir pour poser les premières pierres. J'ai encore en mémoire les années 80-90, lorsqu'il y avait une joie de vivre ensemble dans la société. Merci beaucoup. Bravo! Je donne la parole à Saint-Vergène. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Saber Agem, gérant d'entreprise et je viens de Königshofen. D'abord, merci à tous d'avoir répondu à notre invitation et d'être venus si nombreux ce mardi 2 mai. Certains sont même venus de loin. Personnellement, je vous en suis reconnaissant parce que c'est un moment important pour moi, pour nous tous d'ailleurs. Nous sommes entrés dans une période d'échéance électorale incertaine qui risque de changer le visage politique de notre pays. Nous avons tous constaté les inégalités et les injustices permanentes sur notre territoire. Nous avons tous constaté des problèmes rencontrés par nos concitoyens dans la vie courante et des difficultés qu'ils éprouvent. Nous avons tous constaté de l'inaction et de l'incompétence des politiques menées ces dernières années dans le social, l'éducation, la santé et le travail. Nous devions dire stop à toute cette hypocrisie politique qui ne cesse de nous caresser dans le sens du poil au moment des élections et une fois élus, ils n'hésitent pas à nous prendre pour cible sans jamais nous défendre. Donc nous avons décidé de reprendre la parole et de ne plus nous laisser représenter par des élites qui ne connaissent même pas notre quotidien ou bien le prix d'un petit pain. C'est pour cela que le PEJ, Parti Égalité Justice, a été créé pour tous les citoyens de France. Pour tous ces citoyens qui ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Pour tous ces citoyens lassés des amalgames constants nourris par nos politiciens. Pour tous ces citoyens touchés par le chômage, la discrimination, la précarité. Ayant vécu moi-même ces différentes situations, j'ai décidé d'agir dans l'intérêt général de nos concitoyens, de les défendre et de les représenter. Et après une longue réflexion, j'ai décidé de me porter candidat aux élections législatives de juin sur la première circonscription à Strasbourg, qui comporte les quartiers de Haute-Pierre, Parc des Poteries, Königshofen, Elzo, Montaigne-Vert, Centre-Ville et Quartier des Quinze. Une circonscription qui me tient très à cœur parce que c'est dans celle-ci où je suis né, où j'ai grandi et où je travaille. Je compte sur le soutien de toutes celles et ceux qui ne se sentent plus représentés. Et comme l'a si bien dit Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent. Aujourd'hui, vous êtes une puissance muette et il est temps qu'on s'unisse pour vous redonner la parole. En clair, ne laissez plus les autres choisir à votre place. Je serai votre candidat pour redonner votre voix. Merci. Inch'Allah.
Moi, je vais faire assez court par rapport à mon ami Saber. Je vais bien parler. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont fait le déplacement ce soir. Je tiens également à remercier les représentants de la presse ici présents. Donc, moi, je m'appelle Kadler Sadi. Je suis comptable dans un cabinet d'expertise comptable à quelques pas d'ici. J'ai 29 ans et j'habite le quartier de Crandou. Donc, si vous permettez, j'aimerais faire le point sur les élections qui viennent de passer il y a une dizaine de jours. On annonce Macron ou Le Pen comme les grands gagnants de ces élections. Pour moi, malheureusement, les grands gagnants de ces élections, c'est encore les abstentionnistes. Ils représentent 23% de l'électorat. On peut ajouter à cela 2,5% de votes blancs, ce qui représente en tout 25% de l'électorat. C'est un chiffre assez exceptionnel. Donc, un quart de la population française ne se reconnaissent pas dans les partis politiques ordinaires. Les partis ordinaires ne véhiculent pas les idées que cette population de cette population. Donc le PS veut être une alternative pour ces personnes. Pour ces personnes qui se sentent délaissées, qui se sentent trahies, qui pensent que voter ne sert à rien. Donc le PS sera un parti de proximité qui sera à l'écoute des citoyens. Et nous allons prouver tous ensemble que aller voter peut faire changer les choses. Merci. Avant de passer aux questions, je voudrais s'ajouter une chose qui est très importante, c'est que on essaie de faire croire que le parti Égalité Justice est un parti qui a été monté par des personnes qui avaient peut-être envie de faire la politique dans les partis ordinaires et qui n'ont pas réussi à faire leur place. Avant tout, nous, on conteste et on rejette le fait que dans ces partis ordinaires, il y ait toujours eu du clientélisme et surtout une volonté de montrer en vitrine les personnes issues d'une diversité culturelle et spirituelle afin de pouvoir ouvrir des portes. Et lorsqu'on a besoin d'ouvrir ces portes-là, il n'y a pas de difficulté à bannir ou bien à mettre de côté certains principes et certaines valeurs de la République juste pour des fins électoraux. Encore une fois, on a essayé de montrer que le parti Égalité et Justice est un parti qui est fermé, un parti qui ne représente que les Turcs. Mais au contraire, nous avons aujourd'hui autour de la table, et ce qu'on a eu également dans les autres régions dimanche dernier, des personnes ici d'un côté maghrébine. On va également faire la présentation d'autres candidats qui sont issus de la communauté espagnole, portugaise et d'autres communautés qui nous rejoignent tous les jours. Encore aujourd'hui, j'ai eu un contact très très intéressant d'une dame qui est du côté de Lyon, qui se porte candidate et c'est une Française de souche, une Française d'une dizaine de générations. Par conséquent, les partis Égalité et Justice, au contraire des autres partis ordinaires, ne ferment la porte à personne. Nous sommes ouverts, nous sommes transparents. Nous n'essayons pas d'essayer de faire monter une certaine réticence contre ces partis ordinaires qui ne répondent plus, mais c'est surtout l'alternative qu'on a dit si bien les quatre candidats autour de moi aujourd'hui. Ils l'ont si bien dit que c'est une alternative politique et qu'il est temps qu'on puisse, sur l'échiquier politique, compter sur des personnes qui, soi-disant, ne représentent pas la société ou bien goûtent la société. Autour de moi, vous avez vu, il y a des entrepreneurs, où on a des personnes qui sont des ouvriers, on a des personnes qui sont chauffeurs de poids lourds. Donc nous, on donne la chance à tout le monde. On ne juge pas la personne par rapport à sa qualité sur son CV, on juge la personne par rapport à ses qualités humaines. C'est pour ça que nous disons, encore une fois, je le répète, nous ne sommes pas un parti de droite ni de gauche. Nous sommes le parti de l'humain et uniquement l'humain pour l'intérêt général parce que nous avons besoin de cela. On a besoin de bien vivre ensemble. Nous avons tous envie de pouvoir, en France, pouvoir penser à l'avenir de nos enfants sans inquiétude et pouvoir être dans une quiétude totale afin de vivre en joie. Donc je vous remercie, les personnes qui ont des questions, nous sommes preneurs et on y répondront de la meilleure des manières. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Donc ça veut dire que le public nous est acquis, c'est bien? Ah, y a une question? Mais en fait, je reviens sur ce que vous avez dit auparavant. Vous avez dit que vous êtes sur le tableau que l'on a actuellement en France, tableau politique, on est tous situés, on se situe tous quelque part. Vous mettez la qualité humaine en avant et je n'arrive pas à vous situer en fait dans ce tableau politique. Est-ce que vous êtes plutôt du gauche, de droite, de centre? Il faut quand même que on puisse voir vers où vous vous orientez parce que le fait d'être humain avant tout c'est bien, mais dans ce tableau politique, il faut quand même qu'on puisse vous placer quelque part en fait. Hein. C'est une très bonne question. Je dirais une chose avant de voir le tableau politique. L'IPN vient de dire, c'est un tableau politique qui a été mis en place par des politiciens qui ont voulu diviser la société, encore une fois, droite-gauche, et par rapport à leur
appartenance socio-culturelle et autres. Il faut voir la genèse de la politique. La politique, ça n'a jamais été droite, gauche, centre. La politique, avant tout, c'était on faisait ça pour l'intérêt de là où on habitait, c'est-à-dire de la société. Pour l'humain, on faisait la politique. Et on a fait quoi dans les années après la Première Guerre mondiale ou après avant la Première Guerre mondiale? Nous avons divisé la société à droite et à gauche, dire qu'il y a une société qui est plus capitaliste et une société qui est beaucoup plus sociale pour essayer, encore une fois, de dire qu'on répond à un besoin. Le besoin avant tout chez nous, c'est pas parce qu'on est capitaliste qu'on n'a pas la place au PS, c'est pas parce qu'on est de socialiste ou autre qu'on n'a pas sa place au PS. Nous, avant tout, on dit que si on travaille son œuvre pour l'humain, vous avez votre place au PS. Et l'humain avec l'intérêt général, pas pour ses égos personnels, pas pour une volonté personnelle, et être récupéré par d'autres, que ce soit des entrepreneurs ou d'autres personnes, d'autres mouvements. Donc c'est pour ça que pour moi, au sein du PS, il n'y a pas à essayer de chercher, ou bien même dans la classe politique, on n'a pas à faire droite-gauche, parce que déjà, lorsqu'on emploie le terme de droite et gauche, on divise, on se dit représentant de la société toute entière française. On parle de droite et gauche. Vous pensez bien que les partis politiques actuellement, les deux présidents, du moins les deux candidats au second tour, ils sont en train de diviser de par leur appartenance. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas d'appartenance, c'est l'humain. Dès qu'on voit l'humain en face de nous, je pense qu'on répond aux questions. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? En faisant simple, quels sont les engagements de votre parti? Ce que nous disons depuis le début, l'engagement de notre parti, on respecte le scrutin qui arrive dimanche. Aujourd'hui, c'est un point de presse pour présenter globalement et de manière générale les candidats. Donc on a quand même un respect profond pour les présidentielles. On ne dévoilera rien avant le 8 mai 2017. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un point de presse que nous faisons et les candidats se donneront les moyens et le temps pour vous répondre à ces questions. Le programme sera dévoilé le 8 mai en après-midi. Vous demandez de voter blanc. Dans ce cas-là, vaut mieux s'abstenir, non? Ben, s'abstenir, c'est qu'on ne représente rien du tout. Voter blanc, c'est comme aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux un tableau qui tournait. Le vote blanc, au premier tour, représente tout de même plus de environ 3%. Et c'est le septième. Il gagne au septième rang. C'est pas un parti politique. On appelle M. Blanc est septième sur 12 candidats. Donc ça, ceci montre qu'il y a quand même une certaine volonté de contestation et de sanction de la part des citoyens. Par conséquent, c'est pas pareil entre l'abstention et voter blanc. Lorsqu'on s'abstient, on représente rien, comme l'a dit si bien Sally, parce qu'on voit pas, on sait pas où ils sont partis, c'est bon, on sait pas où ils pouvaient partir. Et d'autre part, voter pour le meilleur d'entre eux, c'est qu'on s'approprie la politique de ces personnes-là, alors que on a bien vu depuis 2012 jusqu'à 2017, ce que le président actuel nous a présenté comme synthèse de son travail, c'est surtout se moquer d'une partie de la population. Donc il faut contester, et c'est pas pareil, même si pour l'instant c'est pas comptabilisé, c'est quand même compté, mais c'est pas pris en compte. Mais c'est compté, on l'a bien vu, ça fait environ 3%, et je pense qu'on est arrivé à 780 000 au premier tour, j'espère qu'au second tour on sera dans les 2 500. J'ai une autre question, s'il vous plaît, c'est justement, on parle de contestation. Le problème, c'est que les gens ont peur quand même du Front National. Donc, vous encouragez les gens à voter blanc pour d'une certaine manière contester. Mais comment vous pouvez répondre à cette question? Vous savez, si je pose la question à la salle ici, lorsqu'on parle du Front National, on dit la première des choses, c'est quoi? Le Front National va dehors des immigrés. Oui, le Front National, c'est un danger. Oui, le Front National, il faut combattre. Oui, on est contre le Front National. On ne demande pas de voter Front National. Mais avant de dire que le Front National, c'est un danger pour les immigrés, ça vient de dire que le Front National, c'est un danger pour l'économie française et pour l'économie européenne. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut arrêter de nous stigmatiser, arrêter de nous faire des fins électoraux et essayer de nous utiliser. On dit une fois pour toutes, dites la vérité, la politique économique du Front National n'est pas bonne pour la société française, n'est pas bonne pour l'Europe entière. C'est pour cela que nous dénonçons à travers notre vote blanc qu'il est temps d'arrêter de manipuler les sondages et de manipuler cette France d'en bas qui a besoin d'une seule chose, d'être représentée dignement. Donc c'est pour ça qu'on prend le risque, mais encore une fois, même si on prend le risque, je pense que les dés sont déjà jetés d'avance, ce qui montre que depuis quelques mois, on voit très bien que Emmanuel Macron devrait gagner. Certes, il n'y a pas ce front républicain qu'il y avait en 2002, il y a un front républicain assez apaisé, mais Emmanuel Macron devrait l'emporter avec 60-40%, on pense bien. Même sans nos votes. Même sans le vote, et je pense que l'histoire va nous le dire d'ici quelques jours, on pense que même sans le vote, c'est pas qu'on pense, c'est même sûr que Emmanuel Macron devra l'emporter. Et encore une fois, même si Marine Le Pen venait à gagner, il faut se dire que les élections en France, c'est des élections, du moins il y a un système présidentiel modéré en France. Par conséquent, même si aujourd'hui Marine Le Pen venait à gagner les élections présidentielles, il y a l'élection législative
Nos candidats sont présents. Il faut la mettre là, il faut montrer le Front républicain réellement s'il existe et arrêter de faire par élection et faire croire que le Front national ne va jamais arriver alors que les idées du Front national sont déjà politiquement appliquées. Donc nous, on se dit, c'est Marine Le Pen, certes élue, admettons, par les pires des moyens, elle est élue à la présidence, il y a les élections législatives, à nous de montrer qu'il y a une cohabitation et de faire confiance à ces jeunes qui sont autour de nous qui veulent faire la politique. Donc, encore une fois, il y aura une communication, et certes, Marine Le Pen aura des pouvoirs très restreints et des pouvoirs qui donneront la possibilité de légiférer, étant donné qu'elle ne sera pas la gouvernance. Il y avait une question encore derrière. Moi, je voudrais m'exprimer en faveur des jeunes, notamment des quartiers. Les quartiers sont pleins de ressources et pleins de talents. Et aujourd'hui, pour autant, on a la majorité de jeunes qui ont du mal à trouver un emploi. Moi, je gère donc des agents d'intérim et j'ai sous ma direction plus de 500 salariés. J'ai combattu pendant des années la discrimination, chose qui avait plutôt pris une bonne direction pendant des années. Et malgré tout, là, depuis les derniers événements et l'actualité depuis ces dernières années avec effectivement les attentats, etc., il y a un retour de la discrimination auprès des sociétés où je rencontre des entreprises qui refusent de prendre des jeunes de quartier, mais quelle que soit leur religion finalement, mais parce qu'ils pensent effectivement que le problème vient des quartiers. Même si vous n'avez pas la solution aujourd'hui, est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui publiquement un engagement ferme pour lutter contre ces discriminations et pour accompagner ces jeunes à retrouver un emploi? Je vous remercie, question très pertinente. Encore une fois, je n'en dirai pas beaucoup et pas, voire très peu du programme. La preuve, déjà, ce qu'on arrive à démontrer, les personnes qui sont présentées autour de la table viennent tous des quartiers. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a donné la chance à ces gens déjà de pouvoir représenter leur quartier. Parce qu'on pense qu'on représente les quartiers, étant pour reprendre les présidentielles, Emmanuel Macron qui fait le jeu des quartiers en disant qu'il est prêt, proche des banlieues. Nous avons Marine Le Pen qui est plutôt proche des ouvriers. Mais lorsqu'on fait attention, il n'y a aucun des deux qui ont le train de vie ou bien le mode de vie ou bien qui ont vécu dans ces quartiers ou bien dans le monde en tant qu'ouvriers. C'est pour ça que nous, on dit oui, il y a de l'énergie dans ces quartiers. Oui, il y a du potentiel. C'est pour ça qu'il crée la synergie et avancer ensemble. Et le programme que nous dévoilerons à partir du 8 mai le démontrera qu'il y a des solutions. Et surtout, il faut déjà arrêter de vivre ensemble. Il faut bien vivre ensemble pour pouvoir expliquer ceci plus facilement et accepter l'autre. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voulais tout d'abord féliciter tous les candidats. Je leur souhaite du courage et beaucoup de chance pour ces élections qui arrivent le 11 juin. C'est un marathon, pas facile à gérer, mais je pense que vous avez le courage et la motivation pour le faire. Je voudrais juste partager avec vous la nouvelle qui est tombée aujourd'hui par la presse. Madame Marine Le Pen a repris le discours entièrement de Monsieur Fillon pour son dernier discours à Paris, ce qui prouve que le Parti Égalité et Justice, depuis le début de sa création, a bien dit que les partis étaient tous les mêmes, qu'ils tenaient tous le même discours, que ce soit les Républicains, le Front National et tous les autres du système, ils sont tous pareils. Moi, je voudrais juste une chose, c'est que ce sera un conseil que je voudrais donner aux candidats. C'est, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir à nos électeurs. Il faut être sincère. Si on fait de la politique sincèrement, honnêtement, je pense qu'on peut gagner. Et c'est le conseil que je peux vous donner à tous les électeurs, à tous les candidats. Ben je pense, merci pour le constat, je pense que nous, on a été sincères avec les candidats. On n'a pas joué le jeu. On a un candidat à la présidence et on sait très bien qu'on avait parlé de 500 signatures. On n'a pas essayé de flatter notre électorat étant donné que juste pour faire croire qu'il y aura un candidat et qu'à la fin, on n'a pas eu les 500 signatures, on n'a eu que 400. On a été dès le début honnête en disant que c'est pas possible, le système actuel ne permet pas de pouvoir présenter des candidats à la présidence issus de la classe populaire. C'est pourquoi on a, et on se focalise pour les législatives, et encore une fois, notre programme est équilibré, c'est pas un programme utopique. On ne promet pas qu'on va rehausser le SMIC à des montants fous, on ne va pas supprimer la taxe d'habitation, supprimer d'autres taxes, sans pouvoir financer les dépenses de l'État. C'est pour ça que c'est ce qu'on demande, encore une fois, que avant tout, nos candidats, on défend l'intérêt général, on n'est pas là pour vendre du vent, on est là pour essayer avant tout de répondre à un besoin. Et après, comme l'a dit dans la question madame, c'est essayer au fur et à mesure de construire quelque chose de durable. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Par hasard, y aurait-il une répercussion si l'extrême droite venait à passer, à gagner sur votre parti? Quel genre de répercussion? Je ne sais pas, justement, extrême. Nous sommes un parti français, un parti de France. Après, je pense que la société française est assez mûre, assez intelligente pour accepter le fait qu'il puisse avoir un parti issu de la diversité. Cette diversité qui le représente, il faut quand même pas oublier que cette diversité fait la richesse de la France. Donc par conséquent, s'il y a des répercussions, je pense que ce serait des répercussions anticonstitutionnelles et on saura répondre de la meilleure manière et surtout juridiquement. D'accord. On n'a pas cette crainte. Si on avait la crainte d'être un jour un parti avoir des répercussions, ou bien qu'il soit fermé, ou bien que nous-mêmes, personnellement, on ait des répercussions, je pense qu'on n'aurait pas pris cette voie. Aujourd'hui, on sait très bien que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on est en train de montrer du doigt et surtout dénoncer ce qui se passe depuis des années et des années. On est en train de surtout dénoncer qu'une partie de la France qu'on a oubliée, c'est celle-ci qui est là pour relever la France. Et ça, ça dérange parce qu'il y a des privilèges qui risquent de se faire. Y a-t-il d'autres questions? Donc vous avez pas mal de jeunes candidats. Est-ce qu'il y a un message à passer? Oui, un message à passer. Bon, cette jeunesse, elle est aussi vue au sein des élections présidentielles. Il faut se dire une fois pour toutes que ce n'est pas les éléphants de la politique qui vont réussir à changer le système parce qu'ils sont loin de la réalité de la société. Nous, on mise sur la jeunesse parce qu'on se dit que nous avons besoin à long terme de pouvoir répondre à des besoins. Il n'y a personne qui peut répondre à travers un seul mandat ou deux mandats, ou surtout en faisant une politique en arrière-coup, étant donné qu'ils ont oublié la réalité. Nous, le message qu'on fait passer, c'est qu'il est temps de donner le flambeau à la jeunesse, cette jeunesse qui a vraiment envie, qui a l'énergie, comme j'ai dit avant, et qui a vraiment envie de démontrer qu'il est possible de vivre bien ensemble, et qu'il est temps, une fois pour toutes, de donner cette chance. D'autres questions ? Moi, j'ai une question qui n'a pas vraiment de rapport avec l'emploi, mais par rapport aux valeurs que vous défendez, les Français tiennent beaucoup à la laïcité. J'aimerais savoir quel est votre point de vue là-dessus. Encore une fois, ça rentre dans le programme. Je vois que vous aimez bien jouer avec le programme, essayer de trouver la faille, mais vous n'y arriverez pas, mais je dirais juste un petit mot. On veut que la laïcité soit appliquée comme elle avait été mise en œuvre dès sa jeunesse. Une question, comment pensez-vous lutter contre, moi de ce que je vois, il y a un acharnement des médias qui vous qualifie de communautariste, de musulman, de parti musulman. Comment pensez-vous casser cette image-là et montrer que vous êtes vraiment là pour représenter toutes les communautés confondues, que vous n'êtes pas là simplement à représenter une communauté bien définie et avancer avec... tout le monde. Déjà, on avance avec tout le monde. Le fait que les journalistes nous qualifient appartenant à une telle profession, à une autre profession, ce sont des journalistes qui ne font pas de l'investigation et surtout, si on fait attention, c'est des réseaux sociaux d'extrême droite qui nous qualifient de cette manière. Excepté aujourd'hui, on a encore un article concernant le DNA, mais je pense que ça va être changé parce que j'ai eu